Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous montrer la boîte mignon que j'ai terminée. Voilà, je viens de la terminer tout juste. Donc je vous l'avais montré en coup de vent avec la boîte en toile jouie noire et blanche. Donc là, elle est terminée. Voilà, ça y est. Donc là, bon, c'est une boîte toute simple, hein. Il n'y a pas de fioritures puisque c'est une boîte pour enfants. Donc avec les enfants, vaut mieux y aller dans la simplicité, parce que c'est des boîtes qui vont, hein, vous en savez quelque chose. Donc il n'y a pas de fioriture au dessus, ça sert à rien. Donc voilà, donc c'est une boîte sur le thème des mignons. Voilà le dessus, il est molletonné. Et donc, il est fait en carton. Le dessus, la couverture est faite en carton bois, bien sûr. Il y a des petits coins métal sur le haut. Voilà. Ici, un tissu vert avec des pois blancs. Le petit galon avec des petits mignons tout le tour. Voilà, sur les trois côtés. Là, en dessous, au-dessus, ben, c'est le tissu, les mignons. Là, j'ai fait le choix de faire une fermeture avec un nœud. Parce que, comme vous le saviez, cette boîte était commencée avant le déménagement. Et du coup, j'avais pas prévu. Ça, c'était déjà fait. Et j'avais oublié de faire la fermeture par aimant. Donc, j'ai fait le choix de mettre un petit ruban. Voilà. Donc, voilà. Et là, bon, elle s'ouvre vraiment très simplement, vous voyez, et entièrement. Comme ça, il n'y a pas de difficulté pour l'enfant. Le fond du couvercle est vert, voilà, avec les pois blancs. Et l'intérieur, il y a le rappel du tissu des mignons. Et tout autour, il y a un ruban, ouais, c'est comme un ruban, c'est ça. Je vais vous montrer, vous voyez, c'est ça, en feutre, donc bleu, tout autour, à l'intérieur. Voilà. Donc, celle-ci est vraiment très très simple, mais moi je la trouve vraiment très mignonne aussi pour les enfants, et puis les enfants adorent les mignons. Donc, je vais refaire le nœud. Et pour les petits, et, bah, pour mettre leurs petits souvenirs, pour faire une boîte à souvenirs, pourquoi pas. C'est vraiment très 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 bien. Voilà. Alors, sur le dernier, mais la vidéo où je montrais ma boîte en toile jouie, certaines me disaient que c'était dommage parce que bah, justement, elles n'avaient pas Facebook. Donc là, normalement, la boîte en toile jouie est normalement déjà réservée. Donc, je ne vais pas vous la remontrer. Ce que je vais faire. Bon, moi, la boîte va être mise aussi sur mon Facebook. Mais là, comme elle voit dans ma boutique, si certaines d'entre vous sont intéressées par cette boîte et qui n'ont pas Facebook, ce que je vais... Bon, vous pourrez me l'acheter, bien sûr. Alors, là, comme c'est une boîte qui est plus simple, le prix est moins cher, bien sûr. Bon, en sachant que je passe quand même du temps hein, sur les boîtes. Alors, ne criez pas au secours, c'est quoi ce prix? Vous savez que c'est... J'avais dit, hein, déjà la boîte en toile jouie, j'ai passé 5 heures dessus, plus de 5 heures. Donc, celle-là, bon, un tout petit peu moins. Mais on passe du temps à faire ces boîtes-là. Hein. Donc, le temps, c'est de l'argent. Donc, et puis, eh ben, la fourniture aussi, c'est de l'argent. Hein. Donc, la toile, celle en toile jouie était à 25 euros. Voilà. Et celle-ci, elle est à 20 euros. Voilà. Donc, si elle vous intéresse, hein, donc, ce que vous faites, vous m'envoyez un email. Bah, le plus rapidement possible, comme ça bah, la première qu'il veut
alors à la boîte, m'envoyer un email le plus rapidement possible. Donc, vous avez mon email ici en dessous, mais vous l'avez aussi en barre d'infos. Vous pouvez me payer en PayPal. Donc, ce sera avec les frais de port en plus. Je vous dirai dans l'email les frais de port. En sachant que bon, ben, je pourrais vous l'envoyer aussi par Mondial Relais, parce que Mondial Relais ce sera un petit peu moins cher. Bon, voilà, oui, et donc ce sera par PayPal, mais sinon vous pourrez me payer aussi par chèque. Mais là, donc par chèque, j'attendrai d'avoir reçu le chèque avant d'envoyer la boîte. Bon, ce qui est tout à fait normal, vous comprendrez bien. Donc, on va faire comme ça. Pendant que j'arrive pas à trouver une boutique sur internet gratuite, on fera comme ça. Pendant que je ferai des fabrications, je vous les montrerai toujours en premier en vidéo sur YouTube avant de les mettre sur ma boutique. Voilà, comme ça, ça vous donnera la priorité à celles qui sont intéressées de me dire qu'elles sont intéressées, qu'elles le veuillent. Bon, par contre, si je reçois plusieurs emails, ce sera la première qui aura envoyé son email qui sera prioritaire sur l'achat. Voilà, alors celle-ci sera à 20 €, et donc là je pense que si j'envoie par Mondial Relais à vue de mémoire, je crois que les frais de port sont à 4,60 €, je crois, quelque chose comme ça, mais de mémoire, hein. Mais je vous repréciserai dans votre email. Voilà, donc celle-ci pour les enfants est à 20 €. Voilà, hein. Donc si elle vous intéresse, ben, envoyez-moi vite un email. Et puis ben, comme ça, vous pourrez acheter des boîtes chez moi et d'autres articles que je ferai, que je vends également. Donc on verra justement comment on fera, si on fait des ventes en live ou des ventes comme ça, et que vous enverrez des emails. Dites-moi ce que vous préférez par la suite, quand j'aurai beaucoup de fournitures, enfin de matos, je vais fabriquer beaucoup de choses, si vous les préférez avec un live. Hein, voilà. Donc, je répète, si vous êtes intéressé par cette boîte, elle est à 20 € plus les frais de port qui doivent se monter à 4,60 € à peu près. Si c'est par Mondial Relais, par la poste, ça doit être un petit peu plus cher. Voilà. Là, je vais, je ne sais pas si je vais la commencer aujourd'hui, mais ce sera peut-être ce week-end. Donc là, j'ai une commande pour une boîte un peu plus grande. Et donc, bah, vous la verrez certainement début de semaine. Mais bon, ça ne sera pas à vendre hein, puisqu'elle est déjà vendue. Et mais par contre, je vais vous faire découvrir le tissu. Voilà. Voilà le tissu qui va aller sur la boîte que l'on m'a commandée. Vous voyez, il est super joli. Avec des papillons, un fond bleu. Voilà, je crois que ça va être une très jolie boîte. Donc, c'est une boîte qui va... Donc, ce sera le même style de boîte, mais un peu plus grand. Et qui va servir pour une brodeuse, pour elle mettre sa broderie dedans. Voilà. Et donc, je lui ai choisi... Elle m'avait donné ses goûts. Et moi, je lui ai choisi ce tissu-là. Et là, je lui ai montré. Et elle aime beaucoup. Donc, je vais lui faire sa boîte avec ça. Voilà, avec ce tissu-là. Et je le trouve vraiment magnifique. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Voilà. Donc, ben, voilà, ma vidéo pour aujourd'hui est terminée. Vous voyez, en ce moment, je vous fais des petites vidéos. Mais au moins, on se voit souvent. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Donc, je vous dis, si vous êtes intéressé par la boîte, envoyez-moi très vite un email. La première qui m'envoie un email, ben c'est elle qui aura la boîte. Hein. Premier email, premier paiement, premier servi. Et puis voilà. Donc en attendant, on fera comme ça. Et puis dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse des lives des créations que je vends. Voilà. Donc les boîtes, il n'y en a pas encore.
Là, pour l'instant, je reprends à les faire. Il y aura, comme je vous ai dit, il y aura des sacs. Bon, il y a mes cartes, il y a des bijoux. Puis je vais voir au fur et à mesure. Voilà. Donnez-moi votre avis en commentaire. Allez, je vous laisse. Je vous fais des milliers de bisous et je vous dis à très bientôt. Et soyez sages. Bon week-end. J'essaye de voir si je vous fais une vidéo ce week-end, si vous êtes sages. Allez, bisous, bisous. À bientôt.